Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans votre nouvel épisode de votre série originale sur Roller Coaster Tycoon World. Ça me fait plaisir de vous retrouver, clairement. Vous avez vu que ces derniers jours, il y a eu des trous dans les diffusions, tout simplement. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo explicative de pourquoi il y a eu des trous, tout simplement. Vous la retrouverez si vous cliquez sur le petit i en haut à droite de la vidéo. Voilà, tout simplement, vous aurez une petite fiche avec plusieurs choses à l'intérieur. Et donc, tout simplement, vous aurez la raison. Et donc, nous, on va commencer tout simplement cet épisode et vous allez voir que on a quand même un petit peu bossé, hein. On va revenir en écran classique, voilà, super. Alors j'ai touché un petit peu au décor, voilà, j'ai fait pas mal de petites choses, je vous l'accorde, et vous voyez qu'au niveau financier j'arrive à peu près à nous maintenir depuis maintenant quelques minutes. J'ai franchement augmenté des tarifs de manège, j'ai augmenté des tarifs d'entrée, j'ai éclaté des services qui ne servaient pas à grand chose, dégagé des restaurants également, revendu quelques bâtiments afin qu'on puisse s'en sortir. Cependant, j'ai quand même fait des décors plutôt jolis. Voilà, je vous l'ai dit, hein, à chaque fois de manière que on fait des vidéos, il faut que ce soit joli, c'est très important. Je pense que je vais être dans le négatif avant la fin de cette vidéo, ça va être très compliqué. Donc, on va commencer du coup par le frisson aérien, que vous voyez que j'ai mis à 6$, voilà, donc pour le coup les gens réagissent plutôt bien. Voilà, je peux pas l'augmenter plus haut sinon les gens ne veulent plus le prendre. C'est un manège que j'aime bien parce que la file est toujours pleine, c'est le seul qui a encore sa file toujours pleine. Donc voilà, j'ai mis quelques projecteurs, des projecteurs du coup qui sont amenés à tourner pour éclairer les structures. Voilà, bon là évidemment on est le jour donc c'est pas super sexy. On va reprendre le truc la nuit, ça serait même très très bien. Allez, allez, la nuit s'il vous plaît, la nuit, j'aimerais la nuit. On devrait pas tarder, voilà, hop. Et on va bloquer la nuit quand elle sera concrètement tombée. Ah merde, évidemment. Évidemment, elle vient de tomber en panne, notre attraction fétiche. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc hop, on va bloquer la nuit, ce sera toujours plus simple et plus cool. Et par contre, on va voir tout combien de temps, toutes les 30 minutes. Ah oui. Alors j'avais modifié ça en fait, mais j'ai eu un crash in-game. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu quelques valeurs. Donc voilà, au niveau de la structure, il y a des spots voilà, qui bougent. On va hop, remettre la vitesse normale, s'il vous plaît. Je galère un peu, voilà. Donc on a des spots qui bougent, qui éclairent les structures. Ça fait joli, c'est sympa. Voilà, on a des spots fixes également. Ici, j'ai fait une petite allée avec un petit bassin d'eau en dessous, puisqu'on avait moyen de faire quelque chose, je me suis dit pourquoi pas. J'ai voulu mettre de l'eau, des jets d'eau, des trucs comme ça, mais c'était pas disponible. Donc bien dommage, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on s'est fait un petit truc sympa en dessous, comme ça les gens peuvent se poser et regarder les gens, tout simplement bah, faire le grand saut, entre guillemets, hein, avec hop, l'angle de vue qui va bien. Voilà, toujours un truc plutôt sympa d'ailleurs. On va se mettre même en condition pour vous montrer. Dommage que l'attraction est en panne, mais dans l'idée, on voit les gens qui tombent et c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, ensuite, ici, deux nouvelles petites boutiques également. J'ai redescendu toutes les boutiques à 8,50 avec une qualité moyenne. J'essaye vraiment, vraiment de faire au mieux. Voilà, ben, on voit là actuellement que l'attraction est réparée. On va pas se priver. Hop, on va s'y remettre. Tac. Et hop, hop. Voilà. Donc plutôt cool, hein, on est posé, tac. Et du coup, vous voyez, j'ai également mis un projecteur en place de telle manière à quand il est en haut, on voit toujours en fait la nacelle. Donc je me suis dit, ça pourrait être franchement sympa, c'est le petit détail. Hop, voilà, vous avez vu, ça passe dans le champ et hop, voilà. Donc c'est plutôt sympa de bouffer devant ça, hein, ça donne peut-être même envie de vomir, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être en place. Bref, donc... j'ai voulu sur cette attraction vraiment mettre quelque chose d'assez lumineux, mettre des projecteurs, la lumière en place, comme un peu les structures de cirque où vraiment on éclaire les structures, vous voyez. Là bah, c'est un peu l'idée. Donc on a des projecteurs bleus à chaque base, voilà, tout simplement, avec les fixes et les pivotants. Et devant, bah, on a des nouveaux objets qui ont été mis en place suite à une mise à jour. Je vais vous montrer, ils sont ici. Décor, voilà. On a des petits spotlights, voilà, des petits pour le coup, ils n'éclairent pas grand chose, hein. Voilà, c'est pour éclairer du chemin, mais du coup ça donne un certain style. Voilà, j'ai fait une barre de spotlight ici, et donc bah voilà, je continuerai peut-être quand les fonds seront présents. Au niveau du bassin qui passe au-dessus, bah écoutez, je trouve ça plutôt cool. J'ai accompagné l'ensemble
d'arbres et plantes exotiques parce que après avoir fait des tests la forêt etc c'était pas super sexy. Donc voilà, donc tout est éclairé du coup, pareil, ça éclaire la structure, ça aussi. Donc voilà, on a vraiment tout un espace dédié à ce manège qui aujourd'hui est notre point de survie concrètement de ce parc, pas pour longtemps manifestement mais quand même. Donc j'ai redescendu également le nombre d'employés, ici on avait 10 techs, j'en ai mis 6, voilà par exemple, là, on a 5 comédiens, on va peut-être en descendre un peu à 3, on va peut-être même encore descendre les techs, voilà, histoire de faire encore plus d'argent. Désolé, on est dans la coupure budgétaire, hein. J'ai fermé ça également, mais ça, ça date déjà. J'ai augmenté tous les souvenirs et goodies à 6 balles et j'ai fixé les adolescents. Alors je sais pas si c'est la bonne cible à fixer pour le coup. Mais en tout cas ça rapporte de l'argent donc c'est déjà pas mal. Ok, ensuite ici bah tac, 3 balles, on va remettre à 3 balles. Ici ce sont des attractions qui aujourd'hui n'attirent plus grand monde malheureusement, t'as l'air perdu quoi. Et Formule 1, bah il est là Formule 1 je pense. Voilà. Non il est là, je sais plus. Enfin bref tu cherches quoi, il y a des plans, démerde-toi. Donc là voilà également des bâtiments fermés pour l'instant puisque pour le moment bah, nous n'avons pas les fonds pour les faire tourner. Et je me dis il vaut mieux avoir un gros bâtiment au final qui a plus d'employés que d'avoir un petit bâtiment qui va générer un surcoût financier supplémentaire donc bah, tout simplement avoir 3 employés en fait dedans quoi. C'est tout con quoi mais bon voilà. Là par exemple je pourrais même fermer ce bâtiment en fait. Tac, fermer celui-là aussi. Mais au final, rajouter 2 de chaque dans chaque bâtiment ici. Ce qui, je pense, va nous faire économiser des trucs sympas. Voilà. Au moins, les bâtiments ne coûteront rien ici. Donc là, les fermer. On verra bien ce que ça donne. Bah, ça se trouve, ce que je fais, c'est idem. Hein, c'est identique, mais voilà. Donc, ici, bah, pareil, voilà, tout en moyen. D'après, je ne vais pas payer autant. Alors, est-ce que ça date ou pas? Parce que c'est pareil, ça ne s'efface pas. Donc, du coup... on est amené à ne plus savoir si le commentaire est récent ou pas récent du tout. Donc ça c'est un peu emmerdant. Hop, je ne vais pas payer. Donc là par contre c'est réduitoire. On l'a vu. Tac, 8 balles. On va le descendre un peu. Hein. On va voir si, si lui part avec une assiette. Non, il ne veut pas payer non plus. Il faut vraiment être observateur à ce niveau-là. J'avoue que c'est assez compliqué. Eux ils sont contents, c'est plutôt les magasins de bouffe aujourd'hui qui étaient vraiment une aubaine pour nous. Ouais, là c'est trop cher encore. Parce qu'on a descendu en qualité, donc je pense que 7,50 à mettre 7,50 partout. À mettre 7,50 partout. En espérant que ça puisse remonter un petit peu nos fonds. Là le Tex-Mex, parce que j'ai tout remis en moyen. Alors la question c'est est-ce que ça vaut le coup d'en descendre la qualité pour se faire une marge plus importante? Ou du coup ça redescend totalement en fait les paliers et au final c'est pas super tout court quand on n'y fait pas notre beurre quoi. Donc il faut que j'arrive à trouver un petit peu comment ça se passe de ce côté là. Donc côté de la roue bah j'ai rien retouché, voilà tout simplement. Là il y a rien de plus, voilà. Pourquoi t'es vénère toi? Oh pas quoi Tintin. C'est toi, ce police, j'ai un nounou, c'est une vraie aubaine. Mais je suis pas contente, hein. Ouh là là, putain, je suis vraiment, vraiment pas contente. Ouh, mais j'ai un cadeau. Ok, donc là-dessus aussi, j'ai bossé. Voilà, il s'agit tout simplement de notre tapis volant. Bah, c'est clair qu'il rameute pas les foules non plus, voilà, malheureusement. Mais bah, je lui ai fait un petit univers un petit peu désertique autour de lui, voilà. Donc rocher, alors je vais essayer, hop, de déloquer tout simplement, voilà, hop. Rocher tout simplement avec des plantes désertiques un peu installées, ça fait propre, ça fait pas mal. Donc voilà, toi de ton côté, je crois que t'es un peu cher mais tu nous génères un peu d'argent hein, pour le coup, on va savoir pourquoi. Ça serait pas mal d'attirer. En fait, ce qui manque clairement, c'est qu'en baissant le prix, il n'y a pas plus d'affluence. Donc du coup, c'est assez emmerdant au final. Il y a beaucoup de choses qu'on a un peu mal gérées. Ici, du coup, c'est un espace que je vais devoir re-remplir parce qu'ici, il y avait un restaurant qui me coûtait beaucoup trop cher. Me rapportait rien du tout, donc du coup je l'ai jeté. Est-ce que les gens veulent payer? Je ne veux pas payer autant. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais ici. Ok, donc voilà. Donc vous voyez, on est encore en déficit. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer, les amis, pour les prochains épisodes. J'avoue avoir des gros doutes sur la pérennité de notre parc. Voilà, c'est vrai que c'est un gros défaut pour moi en fait. Ce qui se passe, c'est que
ma sauvegarde, j'aurais apprécié à un moment avoir une option en me disant bah je peux basculer en fait en monnaie illimitée quoi. Et du coup ça évite que je perde tout mon boulot, parce que là en fait ce qui se passe c'est que dès que j'arrive à zéro je ne peux plus rien faire, même pas construire un chemin. Donc c'est assez emmerdant. Donc là j'avoue être un peu bloqué. Donc pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, encore une fois, j'ai suivi beaucoup de vos conseils. Concernant l'entrée du parc, je l'ai baissé, je l'ai réaugmenté. Ça n'a pas augmenté la quantité de visiteurs. J'ai même fait en fait tac tac tac. Alors ici c'est buggé, on n'a plus aucune idée. Voilà. J'ai même fait que je dise pas de conneries. J'ai même fait des trucs de publicité au final. Alors on peut voir également ce qui nous rapporte, ce qui nous rapporte pas. Voilà, donc ce qui nous rapporte actuellement c'est ce qu'il y a en haut. Donc on a une cote de popularité également des manèges qui se cassent bien la gueule, c'est dommage. Et là du coup, hop, alors c'est bien le bug graphique que j'aimerais qu'il dégage, parce que à la base c'est pas jaune, c'est blanc. Hop, on va essayer de repasser dessus. Ouais, bon ça bug un peu au niveau des couleurs, bon c'est pas grave. Alors normalement il y a, je vous ai fait ça, je me suis dit ça va peut-être booster un petit peu le parc, ça va peut-être booster un peu les ventes, etc. Et donc du coup malheureusement ça n'a pas suffi, voilà tout simplement. Donc du coup je m'attendais à ce que ça booste clairement le business hein, tout court. Malheureusement ça n'a pas été le cas, donc du coup une attraction bien sympa. Alors, dommage que ça soit un peu buggy graphiquement, elle est simple hein. Le tracé est très très simple, j'ai utilisé un petit peu les hauteurs, comme ça m'a coûté un peu moins cher. Hop, on redescend, on fait le tour, on repasse dessous, hop, on a une petite montée là, et on redescend, et basta, et on arrive là. On fait un tour, il n'y a qu'un seul wagon, donc ça a bien marché, oui et non, voilà, j'ai pas plus de résultats que ça. Peut-être qu'il est un peu agressif comme coaster, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai d'en faire un autre en vendant celui-là au besoin. On verra bien. Sinon quoi d'autre? Tac, regardons un peu. Je me sens pas bien, on a si bon marché. Si c'est si bon marché, t'inquiète, on va le mettre un peu plus cher, on va pas se plaindre. Ici c'est pareil, voilà, donc on a vraiment un problème de fréquentation du parc, ça c'est certain. C'est vraiment dommage, mais j'ai pas de solution. J'ai pas de solution, j'ai essayé beaucoup de choses et aujourd'hui je ne sais pas quoi faire avec le parc. Donc je vous avoue, je ne sais pas si ce sera le dernier épisode, je vais pas vous mentir. Et encore une fois, s'il y avait cette fonction d'un coup de monnaie illimitée, on pourrait vraiment refaire des attractions et comprendre comment au final les gens viennent dans le parc, quoi, clairement. Donc voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, on reste sur un joli parc, il n'y a pas de souci ici, j'aimerais bien mettre des plantes, des trucs au milieu, des statues. Je me suis bien éclaté également sur cette déco. Sur celle-là également, ça a fait plaisir de la réaliser. Et il me reste encore ça à mettre en place. Mais bon, comme vous le voyez, dans tous les cas, pour l'instant, le parc est trop vide. Donc, ça sert à rien que vous retienne beaucoup plus longtemps, les amis. Je voulais juste vous donner des informations concernant le parc. Voilà, il est pas mort, hein, mais il est dans la merde. Hein, voilà. On voit que les recettes du mois sont pas fameuses d'ailleurs. On a quoi? On va essayer d'analyser légèrement, quand même, ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a eu. J'ai vendu le resto, donc ça a été. On est parti moins 380 ici. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous coûte? Les dépenses. Coût d'entretien des ménages. D'accord. Le pire, c'est les services du parc. Ok, donc là, je peux comprendre. Mais pourquoi les services du parc nous coûtent-ils aussi cher? Hein? Pourquoi? Et il y a intérêt. Ah bah oui, parce que oui, évidemment. Pour faire le coaster qui était là, Doudou, là, il a dû faire un petit emprunt. Ah oui, elle a pris le petit emprunt. Donc du coup, ce qui se passe aussi, effectivement, alors il est où l'emprunt? Il est où revenu, perte de profit, oui, je vois bien, ouais. L'emprunt, il est là. Voilà, tout simplement. Et ça, je l'avais du coup sollicité. Donc du coup, j'avoue, là, je pourrais même refaire un emprunt apparemment. Hein. Mais bon. Donc du coup, effectivement, je dois le rembourser cet emprunt. Hein, voilà, tout simplement. Donc peut-être qu'on aura un épisode supplémentaire où je pourrais racheter un emprunt et faire peut-être un manège. Pour l'instant, en tout cas, on est dans le caca. Voilà. Bon, bah les amis, on s'arrête ici pour cet épisode. Certes, il est court, mais de toute manière, je peux pas faire grand-chose. Je vais essayer de le remonter en off, vraiment d'essayer de faire des trucs pour essayer de le revaloriser. Je vais faire de mon mieux. Si vous avez des conseils, encore une fois, dans les commentaires, je suis preneur, les amis. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission, pour une prochaine vidéo, un prochain épisode sur cette série fantastique de Roller Coaster Tycoon World. Je vous dis à bientôt. Peace.